Chers camarades, le 19e Congrès national du Parti communiste chinois jusqu'à aujourd'hui a épuisé tous les points de l'ordre du jour. Grâce aux efforts conjugués de tous les délégués, ce congrès est un congrès qui reste fidèle à notre engagement initial, qui garde à l'esprit notre mission historique et qui brandit bien haut l'étendard et marqué par l'union et progrès. Le rapport présenté par le 18e comité central du PCC a été adopté par le 19e congrès. En brandissant bien haut l'étendard du socialisme à la chinoise, en nous guidant par le marxisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante de triple représentativité, le concept de développement scientifique, et la pensée du socialisme à la chinoise de nouvelle ère, nous avons analysé ensemble la situation internationale et nationale, le changement. Nous avons fait un bilan sur le travail de 5 dernières années et les évolutions historiques profondes. Et ce rapport a tracé les missions historiques du PCC dans la nouvelle ère et qui a défini la nouvelle pensée du socialisme à la chinoise de nouvelle ère et les stratégies fondamentales de la nouvelle ère. Et le rapport a défini l'objectif de la finalisation de l'édification de sociétés de moyenne aisance et de lancer la nouvelle marche sur la construction de pays socialistes modernisés. Et ce rapport joue un rôle important et a défini les stratégies globales sur le futur travail du parti et de l'État dans la nouvelle ère, et a bien défini les objectifs et l'orientation de progrès du parti et de l'État. Ce rapport constitue une convergence de la sagesse de tous les membres du parti et de l'ensemble du peuple chinois. Ce rapport constitue également une déclaration politique du PCC et un plan d'action pour notre parti qui unit et conduit le peuple multiethnique pour obtenir davantage de succès. Le 19e congrès a adopté le rapport présenté par la 18e commission de l'inspection disciplinaire du comité central du PCC. Sous la direction du comité central du PCC, les comités disciplinaires de différents échelons ont su remplir les fonctions accordées par les statuts de PCC pour lancer des activités de construction de l'intégrité et de lutte anti-corruption en appliquant les recommandations définies par le comité central, en bien définissant les règles de conduite politique. Les comités de partis de différents échelons concrétisent leur mission politique de gouverner le parti et de gérer le parti en mettant priorité sur l'application de la discipline pour contenir la propagation de corruption. Et la commission d'inspection pétinaire a consolidé et a développé une pression écrasante sur les activités de corruption. L'amendement des statuts de PCC adopté par le 19e congrès représente les innovations théoriques, pratiques, systématiques. Et cet amendement représente également les idées et les pensées stratégiques définies dans le rapport d'activité du comité central présenté au 19e congrès. Et cet amendement représente également les expériences que nous avons obtenues pendant ces dernières années. Les nouveaux statuts du PCC a émis des exigences sur l'application stricte des disciplines au sein de partis.
Le Congrès national a élu une nouvelle édition du Comité central. Le 19e Congrès national a élu la nouvelle édition de la Commission centrale de l'inspection disciplinaire du Comité central du PCC. Nous avons la certitude que les décisions et résolutions adoptées lors de ce congrès, les acquis de ce congrès, vont jouer certainement un rôle décisif dans la finalisation de l'édification du socialisme à la chinoise et dans le lancement de nouvelles marches sur la construction d'un pays socialiste modernisé et pour la promotion de l'application de disciplines de manière stricte au sein du parti et de la réalisation de grands programmes de construction du socialisme à la chinoise et pour faire triompher le socialisme à la chinoise et la réalisation de grands rêves chinois du grand renouveau de la nation. Nous sommes tous des délégués du Congrès national du Parti communiste chinois. Nous avons des missions glorieuses et nous avons des responsabilités lourdes. Nous devons rester fidèles aux engagements initiaux de notre parti. Nous devons garder à l'esprit les responsabilités que nous assumons. Nous devons apprendre les théories, les orientations, les principes politiques définis par le Parti communiste chinois. Il nous faut également appliquer de manière correcte les décisions prises par le PCC en matière de la finalisation de l'éducation du socialisme chinois et de lancement de nouvelles marches vers la construction d'un pays socialiste modernisé. Nous devons apprendre les statuts de PCC, respecter les statuts de PCC, appliquer les statuts de PCC et sauvegarder l'autorité des statuts du PCC. Idéologiquement, dans nos actions, politiquement, nous devons rester en phase avec le comité central du PCC. Il nous faut resserrer nos liens avec la masse populaire. Il nous faut refléter les aspirations des autres membres du parti et de la population, tout en bien remplissant nos fonctions de délégués du parti. Il nous faut jouer également des rôles exemplaires, respecter avec conscience les exigences, définies par le parti en matière de développement de la nouvelle ère du socialisme à la chinoise, et il nous faut nous livrer de manière proactive dans la pratique de développement du socialisme à la chinoise de nouvelle ère en contribuant notre sagesse et nos forces et jouer un rôle exemplaire devant les autres membres du Parti communiste chinois. Il faut être digne de la confiance des autres membres du Parti communiste chinois. Lors de ce congrès national, les comités centrales de différents partis démocratique de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce et les représentants de différentes communautés ethniques et de différents milieux sociaux ont émis leur message de salutation au 19e Congrès national. Et c'est le même cas pour la population. Beaucoup de dirigeants d'État des autres pays, dirigeants des partis politiques des autres pays et responsables des organisations, de toutes sortes d'organisations des autres pays ont envoyé leur message de félicitations. Au nom du Présidium du 19e Congrès national du PCC, je voudrais ici leur dire mes remerciements. Chers camarades, le Parti communiste chinois a vu le jour il y a 96 ans. La République populaire de Chine a été fondée il y a 68 ans. La réforme d'ouverture a été lancée il y a 39 ans. Depuis de longues dates, notre parti a su unir et conduire le peuple multiethnique pour lancer des luttes acharnées avec des efforts conjugués pour totalement changer la situation de la Chine, plusieurs fois humiliée par les autres depuis la guerre de l'opium. Et nous avons su changer totalement
la situation de la pauvreté et de la famine de la nation chinoise d'antan. Aujourd'hui, les Chinoises et les Chinois, au nombre d'1,3 milliard, vont redoubler d'efforts avec enthousiasme. La Chine, avec une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés, présente de vitalité importante. La civilisation chinoise est de plus en plus brillante grâce à nos efforts. La direction du Parti communiste chinois, le régime du socialisme, reste toujours solide et présente de vitalité importante. Les Chinoises et les Chinois, la nation chinoise, connaîtront certainement un avenir radieux et des perspectives brillantes. Dans cette époque historique d'une grandeur, nous avons la fierté, mais nous savons également que nous devons prendre la responsabilité. Nous devons continuer à déployer davantage d'efforts en faisant part de nos courages grâce aux acquis historiques obtenus par des efforts de différentes générations, des membres du Parti communiste chinois et de la population. Nous allons avancer à pas de géant à une meilleure vie et un futur radieux. Ce congrès a souligné qu'il faut rester fidèle à notre engagement initial et il faut garder à l'esprit notre mission historique. Engagement initial et mission historique pour les membres du Parti communiste chinois, c'est pour rendre plus de bonheur pour le peuple chinois et rendre la nation chinoise une prospérité sans précédent. Un grand renouveau. Ces engagements initiaux et cette mission historique constituent une force motrice pour le progrès de tous les membres du Parti communiste chinois. Tous les membres du Parti communiste chinois devraient unir étroitement avec leur population en partageant la même destinée avec le peuple chinois et faire le bonheur de la population leur objectif de travail. Et il faut continuer à déployer davantage d'efforts pour se diriger vers l'objectif de la réalisation de grand renouveau de la nation chinoise. Tous les membres du Parti communiste chinois devraient s'unir étroitement autour du comité central du PCC, brandir bien haut l'étendard du socialisme chinois, émanciper notre pensée, adopter des visions de réforme et progresser avec courage, avec les efforts unis et conduire l'ensemble du peuple chinois pour réaliser tous les objectifs fixés pendant le 19e Congrès national du Parti communiste chinois.